Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. La visitation de la Vierge Marie, célébrée le 31 mai aujourd'hui, commémore le moment où Marie, enceinte de Jésus, rend visite à sa cousine, Élisabeth, également enceinte de Jean-Baptiste. Ce récit, retracé dans l'Évangile selon Luc, illustre l'importance de la solidarité, de la foi et de la joie dans le plan divin. L'image de Marie se rendant rapidement dans les collines de Judée pour rejoindre sa cousine souligne son empressement à partager la bonne nouvelle de l'incarnation. Cet acte d'amour et de service incarne l'esprit de la visitation, appelant chacun de nous à être des porteurs de la lumière divine dans le monde. Pour Benoît XVI, cet événement a une profondeur théologique et spirituelle immense. Cette rencontre entre les deux mères porte
témoignage de l'humilité et de l'obéissance de la très sainte Vierge. Malgré la grâce insondable qui lui a été faite d'être la mère du Sauveur, elle se rend au service d'une autre, avec simplicité et empressement. N'est-ce pas là une leçon pour tous les chrétiens? Comme Marie, ne devrions-nous pas accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs avec humilité pour ensuite la porter aux autres? Et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'exclame « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne me visiter ?» Oui, Marie est bénie entre toutes les femmes, car elle a cru à la parole du Seigneur qui s'est faite chair en elle. Alors aujourd'hui, implorons l'intercession de la Vierge Marie, afin que comme elle, nous puissions accueillir le Christ dans nos cœurs et le porter aux autres par une vie sainte et charitable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Mère du Sauveur, en ce jour de la Visitation, nous nous tournons vers toi avec confiance. Accorde-nous la grâce de t'imiter dans ton humilité et ton amour désintéressé. Aide-nous à discerner la présence de Dieu dans nos vies, comme tu l'as fait lors de ta visite à Élisabeth. Que nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance pour les merveilles du Seigneur. Enseigne-nous à mettre nos pas dans les tiens, à nous empresser auprès de ceux qui ont besoin d'aide et de réconfort. Que notre visite soit source de bénédiction, comme la tienne l'a été. Vierge Marie, ta visite à Élisabeth symbolise l'espérance et la nouvelle vie. Intercède pour nous, afin que par ta grâce maternelle, nous puissions accueillir le Christ dans nos cœurs et le servir fidèlement. Amen. Chers amis, au cours de ce week-end, je vous invite, à l'instar de Marie qui visite sa cousine, d'aller vous visiter des personnes que vous n'avez jamais le temps d'aller visiter, où vous vous dites « il faudrait que j'y aille, mais voilà ». Allez-y, allez porter cette joie. Répandez-la partout. Vous la recevez dans cet évangile, dans cette vidéo, allez la répandre. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.